Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Papy Car Cyclade sur Actuval, il est 20h38, nous sommes le dimanche 24 mai 2020. Bienvenue sur Aberration, et là nous allons faire un petit tuto, comment péter un Spino et comment se péter un Carquinos, et qu'est-ce qui nous donne ces bestioles. Eh ben on va savoir ça de suite, hein. Est-ce que c'est facile à tuer? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner comme récompense? Eh ben on va voir ça, hein. On y va? C'est parti? Enfin j'espère qu'on va le voir, parce que s'il me tue, on verra que dalle, hein. Allez, on y va. Là, il y a un spin. Un Spinosaurus en latin. Gravum, gravum. Il faut qu'il vienne aussi. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Alors, Piranha, vas-y, barre-toi, toi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Piranha. Okay. J'ai pas ma tenue de combat, je suis désolé. Vas-y, viens là, le Spino, là. Viens ici, viens là. Qu'est-ce que... voilà. Viens ici, voilà. Donc là, je pète un Spino. Voilà, ça y est, qu'est-ce qu'il me donne? Voilà. Viande supérieure, peau, bon, c'est pas trop intéressant. Alors là, les piranhas, il y en a, ça, il n'y a pas de problème, hein, ils sont toujours en famille, ceux-là. Normalement, je devrais avoir une sacoche de Spino. Voilà, la sacoche de Spino, qu'est-ce qu'elle peut nous donner? Elle peut nous donner une crête, et ça, c'est intéressant. Donc, on la prend, la crête, mais on ne peut pas les ramener de carte en carte, ça, c'est dommage. C'est dommage, parce que ça m'aurait servi pour The Island, parce qu'il en faut 10 pour faire le singe en alpha. Hein, le boss alpha... singe, il faut 10 ailerons de trucs dorsal, hein. Voilà, donc mais on l'a pas, on peut pas les transférer de carte en carte, c'est dommage. Voilà. Et là on a le Carquinos, c'est une sorte d'araignée de mer. Attends, là j'ai plus de attendez, hein, parce que là il y a des raptors, il y a des ravageurs, il y a de tout. On va faire un ravageur, hein, comment tuer un ravageur, un raptor, on va faire tout ça, hein, sur le même tuto. Vas-y, viens là, toi, viens me saigner. Oh, puis là, ils sont deux. Voilà, donc on les dégage, il n'y a pas de problème. C'est rapide, il n'y a pas de problème. Hein. Le raptor aussi, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Alors, je suis en privé x2. Hein, voilà, là, j'ai mes règles. Voilà, ça coule de partout. Alors, appartient à ravageur. Ravageur, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne de la cliche, hein, voilà, il n'y a pas de problème. Ah, et là, il nous donne de la cliche aussi, voilà. Voilà, de la cliche, ça veut dire du n'importe quoi, on n'a pas besoin. Le Carquinos, il est où? Le Carquinos, il était là. Ah, c'est quand même... Attendez, j'ai faim, donc je vais manger. Le Carquinos, il bouge, hein, quand même. Il a des pattes, hein, il en a 8, c'est pour ça qu'il bouge. Hein. Il n'aurait pas de pattes, il bougerait pas. Mais bon. Hop, on y va. Voilà, ça, c'est un Carquinos, c'est un animal d'aberration. Et on m'a dit que, tiens, tu essayes de... Qu'est-ce que tu veux, toi? Mords-toi. Spino. Voilà. Bon, oui, je suis en privé x2 seulement. Hein, mais bon, j'ai pas mal développé les compétences. Voilà. Ah, voilà le Carquinos. Oh là, il y en a deux pour le prix d'un. Vas-y, on y va. Hein. C'est la fête. Voilà. Je sais pas ce qu'il m'a donné. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, c'est un autre Spino. Voilà, terminé. Voilà. Oh, un boubou. Oh, je vais pouvoir faire le tuto du boubou. Le bousier, pardon, excusez-moi. Hein. C'est pas un... Voilà. Voilà, donc là je prends un truc dorsal, hein, voilà une flèche, il n'y a pas de problème. Ok, un bousier irradié, on va avoir des crottes irradiées, génial. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a eu avec le Carquinos? On va voir, parce que ça a été tellement vite, je ne sais pas si vous avez regardé, sinon vous mettez arrêt, hein, quand j'ai dépecé le Carquinos, et vous verrez ce qu'il nous a donné. Ouh, polymère organique, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 150 polymères organiques. Eh ben voilà, vous voulez du polymère organique, vous pétez un Carquinos, hein. Il n'y a pas de problème, hein. C'est nickel, c'est génial. Voilà. Alors comment tuer un Carquinos, un raptor, qu'est-ce que j'ai fait aussi, un spinosaure. Et qu'est-ce qu'il nous donne? Ben, ça fait un sacré tuto avec plein de bêtes. Eh ben c'est génial. Oh, c'est la petite bébête que tu voulais, une petite chèvre. Ouais, l'unicorne. Qu'est-ce qu'elle mange, elle? Oh, qu'est-ce que tu veux? Mettez de la nourriture. Mais quoi comme nourriture? Qu'est-ce que ça mange, ça? Eh ben, on le saura pour la prochaine fois. Vous viendrez voir mes vidéos, il n'y a pas de problème. Si vous voulez voir comment on fait une l'unicorne, eh ben, venez, on va voir ça ensemble. Hein? Donc, merci de m'avoir suivi pour ce petit tuto. Ciao, bye bye. Rendez-vous à plus.